Si tu as envie de dézinguer ta pale, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo particulière pour moi puisque c'est un challenge que j'ai moi-même créé, que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous me connaissez maintenant, je fonctionne énormément avec des challenges et pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me connaissent pas encore, je fonctionne beaucoup avec des challenges dans mes lectures. J'ai d'ailleurs un carnet de challenges. Hop, juste ici, ce carnet de challenges, il va me servir à noter les dates d'entrée, les dates de sortie des challenges pour me donner un temps donné. Il va m'aider énormément à mettre en fait à plat tout simplement tous les challenges, tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie d'obtenir ou en tout cas de réussir à faire au niveau de la lecture. Ça peut être baisser ma pale, ça peut être lire tel livre en tant de temps, ça peut être lire tel titre à pareil en tant de temps. Donc voilà, ça me sert énormément ce carnet de challenge justement. Je vous en ai fait une vidéo si ça vous intéresse pour ça. Et là du coup j'ai envie aujourd'hui de vous présenter un challenge que j'ai l'idée quand même depuis pas mal de temps. En tout cas depuis que j'ai repris cette chaîne. Et aujourd'hui je vais donc vous le présenter. Il y aura différentes éditions. On commence par une édition particulière notamment. Ce challenge va tout simplement se nommer Dézingue ta pale comme vous l'aurez vu dans le titre. Pourquoi pas Dégomme ta pale comme je vous en avais déjà parlé. Je pensais donner le titre Dégomme ta pale. Et en fait en faisant quelques recherches je me suis rendu compte que Dégomme ta pale, il y a déjà des gens qui ont fait une sorte de challenge comme ça. Ou en tout cas qui ont nommé leur vidéo Dégomme ta pale. Donc j'ai pas voulu finalement utiliser ce terme pour tout simplement ça rendrait un peu les choses floues si la personne revient, refait une vidéo dégomme ta pale. Voilà, je voulais vraiment avoir quelque chose que personne n'avait utilisé, donc dézingue ta pale, ça me semble le bon compromis. J'ai trouvé personne qui a nommé ces vidéos dézingue ta pale. Donc voilà, ce challenge c'est dézingue ta pale, donc dézingue ta pale tout simplement. Comme je vous l'ai dit, ce challenge il aura donc plusieurs éditions, plusieurs fois, on va tenter de le faire ensemble et surtout avec plusieurs objectifs, une temporalité différente également, puisque cette fois-ci le dézingue ta pale ce sera une édition spéciale graphique et il sera sur un temps donné de 2 jours, un week-end. Mais là je fais les choses vraiment dans le désordre puisque je commence déjà à vous parler du détail quand je ne vous ai pas vraiment expliqué quel serait l'objectif du dézingue ta pale. Et bien tout simplement, comme son nom l'indique, ce sera de baisser sa pile à lire. Cette fois, ce sera donc les graphiques, mais pour une autre fois, sur un temps plus long, ça peut tout à fait être les romans, ça peut même être tout mélangé, hein, toute lecture confondue, évidemment. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je ne me freine pas, qu'il y aura plusieurs éditions. Donc c'est tout simplement baisser sa pale avec un objectif donné. Il y aura différents paliers et ma principale préoccupation en faisant ce challenge, et notamment j'aimerais bien qu'il y ait plus de challenges comme ça, et c'est pour ça aussi que je le fais aujourd'hui, c'est que ce sera avec des paliers qui sont modulables en fonction de la personne, donc c'est-à-dire en fonction de son temps de lecture, de ce que la personne peut allouer à la lecture, en fonction de ce qu'elle a dans sa pale également, pardon. Et voilà, donc en fait, en fonction des paliers, je vous ai pas mis un palier, il faut faire tant de lectures pour le valider. Il y a un minimum, par contre, c'est le premier palier qui sera toujours une lecture, c'est le minimum. Et à partir de ce palier, vous avez réussi le challenge. Mais après, plus personnellement, plus individuellement, vous pouvez tout simplement choisir le deuxième palier, le troisième palier et le quatrième palier. Vous choisissez vous-même le nombre de lectures que vous voulez mettre dans ces paliers. En fonction de ce que, par exemple, si vous choisissez de le faire là pour cette première édition, ce week-end-là, vous avez un repas en famille, vous avez telle ou telle chose de prévu. Pour vous, le maximum, ce sera 4 lectures. Vous pouvez tout à fait faire les paliers en fonction de ces 4 lectures et quand même réussir le challenge. J'avais pas envie de faire quelque chose qui n'est pas modulable à chacun et qui soit surtout une frustration du coup, parce que si vous pouvez lire par exemple qu'un seul livre, ce serait dommage de ne pas faire ce challenge juste parce que vous ne pouvez pas
lire autant que ce qu'en impose le challenge. Vous voyez un peu, je pense, ce que je veux dire. Donc voilà, ici, on aura des paliers modulables en fonction des envies de chacun, des possibilités de chacun. Ça me tenait énormément à cœur de faire comme ça. Évidemment, on a donc ce système de paliers, mais si vous n'aimez pas du tout ce genre de système, mais que vous avez quand même envie de participer au challenge, eh bien, tout simplement, lire une lecture. Comme je vous disais, c'est le minimum au niveau des paliers, mais c'est également ce qui est possible de faire. Juste vous lisez dans votre coin et vous vous dites, bah voilà, je lis tant que je peux sans me donner de palier, sans vouloir absolument avoir cet objectif en vue. C'est juste je lis autant que je veux. À partir d'une lecture, c'est bien. Si c'est plus, c'est bien. Si c'est moins, c'est bien aussi. Voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. C'est très très important pour moi. Donc ce premier dézingue ta palle, c'est bien évidemment sur les graphiques, tout confondu. Ça me tenait également à cœur de ne pas faire que BD, que manga, que roman graphique. C'est exactement ici tous les graphiques possibles et imaginables. Vous pouvez choisir de ne faire qu'une seule sélection. Pour ma part, cette fois-ci, ce ne sera que les BD que j'ai envie de baisser dans ma palle. Vous pouvez vous dire, bah tiens, j'ai 6 mangas, donc je vais m'attaquer à ces 6 mangas pendant ce temps donné. Les choses vraiment sont modulables dans ce challenge, mais par contre, il faut que ce soit du graphique. C'est la seule condition pour cette première édition. On part donc sur vider sa palle de graphique, mais attention, ce ne sera que sur 2 jours, donc le temps d'un week-end. Ici, j'ai donc choisi de commencer ce challenge, en tout cas de le faire sur le samedi 2 et le dimanche 3 mars. C'est-à-dire que le vendredi 1er mars au soir à 23h59, le challenge n'a pas débuté. À minuit le matin du 2 mars, donc il débute et il se termine le dimanche à minuit au soir. Alors tout est modulable, évidemment, vous pouvez moduler un peu ça aussi, mais j'avoue que peut-être un peu moins éviter de vous dire, par exemple, si le dimanche, si vous avez envie de faire vraiment, vraiment les choses correctement, faites le samedi et le dimanche. Si par contre vous travaillez par exemple le samedi et que vous avez congé le lundi, bah n'hésitez pas à faire le dimanche et lundi, c'est juste que du coup vous serez un peu en décalé par rapport aux autres et notamment à moi qui feront ce challenge, mais ça n'a pas grande importance. Encore une fois, ce qui est important, c'est vraiment de faire sur 24 heures, essayer de se donner ce temps donné, ce temps limité tous ensemble pour lire. Donc pour la majorité, ce sera bien le samedi 2 et le dimanche 3 mars. On pourra se retrouver ensemble sur les réseaux sociaux pour en parler, évidemment. Vous pouvez participer à ce challenge que vous ayez des réseaux sociaux littéraires ou pas. Que vous ayez des réseaux privés ou publics, ça ne change absolument rien. La seule différence, c'est que si évidemment vous me taguez pour me présenter votre palle ou autre, je ne le verrai peut-être pas si vous êtes en privé. Mais voilà, c'est vraiment le seul truc qui fait que sinon vous pouvez absolument participer comme vous voulez. Vous pouvez le faire même juste vous-même dans votre carnet si vous fonctionnez comme moi avec des carnets et ne pas du tout en parler sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, vous le faites à votre sauce, à votre rythme. Tout le monde est le bienvenu dans ce challenge. La pluie à moitié pluie grêle est au rendez-vous là, donc j'espère que vous n'entendrez pas trop. C'était pas comme ça quand j'ai débuté la vidéo. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. En tout cas, là, le but du coup de ce challenge sur ces 2 jours, c'est de baisser sa palle de graphique le plus possible. Pour moi, c'est le plus possible. Pour vous, c'est vraiment, vous faites comme vous le sentez. Ici, tout le monde est gagnant puisque, comme je vous le disais, à partir d'une lecture, vous avez réussi le challenge. C'est très, très important de ne pas se frustrer en se disant, tiens, j'ai pas réussi. Donc voilà, je voulais vraiment, je tenais à ce point particulièrement que, à partir d'une lecture, que ce soit une BD, un manga ou un roman graphique, vous avez réussi votre challenge. Si vraiment vous n'avez que des romans graphiques qui sont quand même assez conséquents, et que vous avez envie d'en lire plusieurs et vraiment de vous challenger pour éviter d'avoir cette disproportion par rapport aux autres qui vont peut-être lire que des BD ou que des mangas, donc des choses beaucoup plus courtes et beaucoup plus rapides à lire, n'hésitez pas à jouer un peu avec ça, c'est-à-dire à couper, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, un roman graphique de 600 pages, coupez-le en 3 et essayez de faire quelque chose comme ça, de façon à ce que ça revienne à peu près à si vous lisiez un manga ou une BD. Ceci étant dit, je vous ai donc dit qu'il y avait 2 moyens de réussir ce challenge, soit en le faisant vraiment chill, c'est-à-dire vous lisez une lecture, 2 lectures, 3 lectures, vraiment vous vous dites ok je participe mais je me mets pas de menu, pas de palier précisément et c'est pas grave, soit la deuxième solution c'est de faire avec les paliers que je vous ai créés. Encore une fois, je ne les ai pas créés entièrement puisque vous les modulez
avec ce que vous avez chez vous, avec votre temps de lecture, etc. Donc, le premier palier, c'est tout simplement celui que j'ai appelé le palier de l'escargot. Et celui-ci, c'est le même pour tout le monde, puisqu'il s'agit de lire une lecture, peu importe de quelle lecture il s'agit, tant que c'est un graphique. Vous avez donc réussi ce premier palier et donc le challenge, vous l'avez validé. Mais vous pouvez vous donner un objectif plus haut et ce sera donc le deuxième palier qui est le palier du crocodile. Pour ma part, ce palier, c'est celui que j'ai choisi de mettre 4 lectures, donc ce sera pour moi 4 BD. Je me suis dit que c'était un bon compromis, voilà, je passe de 0 à 4. Je devrais normalement réussir à aller jusqu'à 4 si tout va bien encore une fois. C'est donc le palier du crocodile. Si vous vous rendez compte, il y a donc des noms d'animaux et j'ai tout simplement choisi ces noms d'animaux pour pas trop au hasard du tout, puisque c'est en fonction de leur vitesse, tout simplement. Le crocodile va plus vite que l'escargot, mais il va par contre moins vite que le chat. Donc le palier numéro 3, c'est le palier du chat, où là je me suis dit que j'allais mettre 6 lectures. Si j'atteins le palier du chat, si je le valide, c'est parce que j'aurais lu 6 BD. Le chat donc est plus rapide que le crocodile, mais il est beaucoup moins rapide que le guépard, évidemment. Donc le quatrième palier, c'est le palier du guépard. Et là, je me suis dit que je devais lire plus de 6 BD pour valider ce challenge. Donc voilà, ça ce sont mes paliers à moi, c'est-à-dire que je passe de 0 à 4 lectures, à 6 lectures, à plus que 6 lectures. Dans l'idéal, moi je me suis fait une sélection de 8 BD il me semble. Donc voilà, si je lis ces 8 BD, j'en serais super contente. Mais déjà, si j'en lis 6, je serais super contente aussi. Donc en fonction de ces paliers, je vous ai créé des badges. J'avoue que voilà, ils sont pas extrêmement, comment on dit, c'est pas qu'ils sont pas travaillés, mais voilà, c'est pas des trucs folichons comme certaines personnes vous font des trucs de fou. Voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc on a les 4 badges, vous validez, vous choisissez déjà le palier que vous voulez et en fonction le badge que vous souhaitez gagner entre guillemets, en fonction de ce que vous aurez réussi. Mais c'est pas tout puisque je vous donne la possibilité de télécharger également des marque-pages et de pouvoir les imprimer chez vous en fonction de ce que, si vous pouvez ou pas, en fonction du palier que vous avez choisi et que vous aurez réussi, ou au moins de le garder avec vous, avec vos lectures, et pouvoir vous dire c'est celui-ci que je veux. Donc le premier, c'est le marque-page escargot. Du coup, je sais pas si vous verrez bien, j'ai tout simplement repris le badge pour en faire des marque-pages que vous pouvez télécharger et pouvez du coup les imprimer. Donc moi c'est sur du papier, alors là c'est du 300 grammes, mais si vous avez du papier glacé par exemple chez vous, je pense que ça rendrait encore mieux que sur mon petit papier normal mais juste plus épais. Pour ce qui est du second, le crocodile, du coup comme je vous disais, j'ai repris les badges et je les ai mis en marque-page. Ensuite, celui du chat. Et enfin, celui du guépard. Donc voilà, vous avez du coup des marque-pages que vous pouvez imprimer si vous le souhaitez, si vous souhaitez que ça vous accompagne aussi vos lectures. Et je me suis dit que ça pouvait être très très intéressant d'avoir ces petits marque-pages pendant le challenge. Ça met un petit plus, je trouve, plutôt que des badges qui sont juste dématérialisés. Je trouve que c'est sympa. Donc comme je vous le disais, tout le monde est le bienvenu dans ce challenge, peu importe combien vous avez de livres dans votre palle, de graphiques en l'occurrence pour cette fois-ci. Vous êtes tous les bienvenus, évidemment, si vous souhaitez participer, que vous ayez réseaux sociaux ou pas, que vous soyez sur les réseaux littéraires ou pas. Vraiment, vous faites comme bon vous semble. Par contre, il y a une chose qu'on aura tous en commun, c'est le hashtag si vous souhaitez que je puisse voir tout simplement vos pales par exemple, ou vos bilans, ou vos vlogs si vous faites des vlogs, et bien tout simplement c'est le hashtag dézingue ta pale, ou s'il s'agit de la pale, c'est le hashtag pale DTP en majuscule, le D, le T et le P. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir ces petits hashtags pour pouvoir mieux nous retrouver tous ensemble et pouvoir tous voir ce que les autres auront fait en participant ou pas. Je parle comme s'il y aurait des participants, mais il est fort possible que je sois juste la seule personne à y participer. C'est absolument pas grave, en tout cas moi ça ne me gêne pas du tout. C'est vrai que j'ai essayé de penser comme s'il y aurait d'autres personnes que ça pouvait intéresser. Peut-être que personne d'autre ne sera intéressé, c'est pas grave, ça arrive. Mais dans tous les cas, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire justement ce challenge avec vous, parce que moi je le fais de mon côté. Donc pourquoi pas en fait le faire tous ensemble, et je trouve que c'est
encourageant. Et de mon côté, je vais aussi vous faire des vlogs, je vais vous vloguer du coup le samedi et le dimanche pour voir mon suivi. En fait, il n'y aura pas de vidéo à proprement parler, pâle, vlog et bilan. Ce sera vraiment ma page, je vais vous la présenter aujourd'hui et le jour même, enfin le jour même, le mercredi où je posterai justement le vlog, vous aurez du coup tout le vlog pour voir ma réussite ou mon échec à mon propre challenge. Pour tout ce qui est visuel, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, vous les aurez pour par exemple les réseaux sociaux, si vous voulez poster une story ou autre, il y a des visuels qui sont disponibles que j'ai tenté de faire. Encore une fois, c'est vraiment pas un truc de dingue, hein, j'ai fait avec ce que je pouvais. Mais voilà, j'ai tenté de faire des petits trucs, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, donc tout est en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour ce qui est de ma palle, maintenant, j'ai donc choisi, j'ai 8 livres, 2, 4, 6, 8, ouais, 8 BD. Celui-ci, je vais vous présenter en dernier pour une raison bien précise. Le premier que j'ai bien envie de lire, qui m'attend depuis... Bah depuis Noël, donc il serait pas resté très longtemps dans ma palle. Le premier, il s'agit donc du tome 2, Le Jardin des Fées, donc c'est La Petite Reine de Alouette et Moretti chez Dracou. J'avais adoré le tome 1, donc ce sera l'occasion de lire ce tome 2 et d'être à jour un peu dans une saga, ça ferait plaisir. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire celle-ci, c'est Tao, le tome 1, Le Grand Tournoi des Chroniques de Katura de Poinceau et Rainieri, et c'est chez Claire de Lune. Toujours chez Claire de Lune, j'ai le tome 1 et le tome 2 du Monde des Dragons. Donc c'est ceci. Donc là, on est de André Reynat et c'est toujours chez Claire de Lune. Encore chez Claire de Lune, j'ai donc Izial Mort Noir. C'est le tome 1 de Sabater et Umraou. Et donc là, bah, il y a du dragon, hein, forcément, tout ce que j'aime. Donc j'ai trop trop hâte de les découvrir, de voir ce qu'il en est. Et ensuite, c'est une suite de sagas que je vous avais déjà présentée dans mon... Vlog 7 jours, 7 BD que j'avais fait sur la chaîne il y a moins d'un an, je pense. Et j'avais eu un coup de cœur pour un tome 1 en particulier, et mon compagnon m'avait offert le 2 et le 3 quasiment dans la foulée, et j'ai jamais pris jusqu'à maintenant le temps de les lire. Donc ce sera chose faite, je l'espère, ce week-end-ci, puisque c'est le tome 2 et le tome 3 de Jim Hawkins, donc mes gros coups de cœur pour le tome 1, de Sébastien Vastra, et c'est donc chez Ankama. Vraiment, gros coup de cœur, si vous connaissez pas Jim Hawkins, allez-y. De toute façon, je vous en reparlerai dans le vlog du challenge, mais gros gros coup de cœur sur le tome 1. Et ensuite, le dernier que j'aimerais lire et qui sera certainement le dernier, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est vraiment mon dernier que j'ai envie de lire pour ce challenge. Si j'atteins justement cette BD-ci, alors je m'octroie le droit d'acheter une BD. Oui, vous avez bien entendu, je passe ma palle, mais j'en rachète une. Il s'agit donc du tome 3 de JG et Carbone de la boîte à musique. Donc à la recherche d'origine chez Dupuis. Et pourquoi je le mets en dernier et pourquoi je compte racheter une BD? Tout simplement parce que je vais, si j'arrive à aller jusqu'à cette BD, si j'arrive donc à lire les 8 BD que j'ai dans cette palle, eh bien je m'achèterai le tome 4 et je pourrai le lire dans la foulée également. Parce que j'aime beaucoup lire les BD en général par deux. Tout ce qui est graphique, j'aime bien lire par deux. Pas forcément les romans graphiques, mais au moins les mangas et les BD. Donc ce serait super génial si j'arrive à lire... Ce tome 3, ça veut dire que je pourrais acheter le tome 4 dans la foulée et pouvoir lire et être quasiment à jour. Je crois qu'il y en a 5 en tout, si je ne me trompe pas. Et pareil, j'avais adoré les deux premiers. J'ai toujours pas lu celui-ci parce que j'attendais d'acheter le 4. Et là, j'ai envie de me dire, arrête d'attendre, juste fonce, vas-y et lis-le. Et puis si tu y arrives, bah, tu achèteras la suite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo présentation qui est beaucoup plus longue que ce que je pensais, vraiment. J'espère que tout est clair, j'espère que je me suis... Voilà, que j'ai bien expliqué parce que c'est la première fois pour moi que je fais ça. J'espère aussi qu'il y aura peut-être des participants. Je croise les doigts pour ça, de ne pas le faire complètement toute seule dans mon coin. Mais sinon, bah, je le ferai complètement toute seule dans mon coin, c'est pas grave. Dans tous les cas, si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez aussi autre chose, donc une autre édition spéciale roman ou autre, c'est prévu de toute façon. Ce sera sur des moments beaucoup plus longs et où je pense on aura peut-être plus la tête à ça. À voir encore une fois, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ce challenge en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours, de voir qu'est-ce qui manque vis-à-vis de cette vidéo présentation aussi, parce que bah c'est pareil, c'est la première fois que je fais ça. Donc peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas bien expliquées ou que j'ai pas assez mis l'accent dessus. C'est complètement possible. Dans tous les cas, encore une fois, j'espère que vous serez plusieurs à participer avec moi, ne serait-ce qu'une personne, j'en serais déjà très très honorée.
J'espère donc que ce challenge vous plaira. En attendant ce retour sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.